Trois accidents de la route en trois jours sur l'autoroute du Nord. Bilan 106 victimes, 38 décès et 68 blessés. Tous évacués au CHU de Yopougon. Face à ce drame, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, s'est rendu au chevet des blessés. Ahmed Bakayoko était porteur du message de compassion et de soutien du gouvernement et du président de la République. C'est très grave, c'est très grave et le gouvernement se devait d'apporter d'abord. Toute sa solidarité, présenter ses condoléances à toutes les familles des victimes, apporter sa solidarité et souhaiter un premier rétablissement à tous les blessés. Je veux rassurer tous les parents, euh, d'abord des victimes, qu'il y aura une prise en charge. Il y aura une prise en charge du gouvernement pour euh, les décès, pour accompagner également les blessés vers une meilleure guérison. Donc, euh, très rapidement, un point sera fait. Même ceux qui ont engagé des dépenses seront remboursés. C'est l'occasion pour moi, en cette période de fin d'année, de lancer un appel. Un appel du gouvernement à tous nos compatriotes qui empruntent les routes, les chauffeurs, leur demander la plus grande vigilance. Tout nous indique qu'il y a de l'excès de vitesse, il y a de la responsabilité des chauffeurs. Et cela, il faut que les chauffeurs mesurent à quel point euh, ils ont la vie de nos compatriotes entre leurs mains. Après le CHU de Yopougon, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a visité le 16e arrondissement de Yopougon. Ce commissariat de police a été maintes fois la cible d'attaques armées en 2013. Il était donc bon pour la tutelle d'aller remonter le moral de ses forces de l'ordre. Décembre est le mois où on observe un pic au niveau de l'insécurité. C'est donc maintenant qu'il faut prendre les dispositions, comme l'explique le ministre en charge de la sécurité, pour assurer des fêtes de fin d'année paisibles aux populations.